Bonsoir, bonsoir. Voilà, donc c'est bah, c'est pas vraiment le soir, mais bon. Alors, donc Street Fighter V, j'avais envie d'en faire une petite vidéo, peut-être voir plusieurs, peut-être, peut-être pas, peut-être. Bon, enfin voilà, j'en fais déjà une. Donc je vais un petit peu jouer quand même, parce qu'on va pas rester sur les 30 titres. Je ferai un petit peu de combat en classement parce que le jeu, disons qu'il est pas, bah, il est pas encore complet. Voilà. Et je vais vite y passer dessus hein, parce qu'on a tous, enfin, toutes les personnes qui sont minimum intéressées à ce jeu, ont un petit peu vu passer une belle shitstorm autour du jeu. Alors d'un côté les gens sont mal informés que c'est un peu une release spéciale pour le Capcom Pro Tour. Personnellement j'en ai encore rien à branler de ça, mais je pense aussi d'un côté qu'il y a eu un beau manque de communication de la part de Capcom pour la situation du jeu. Et du coup les gens râlent, mais. Je m'en fous, quoi. Je sais je sais déjà, pour le moment j'adore le jeu. Enfin, pour le moment je l'adore. Sinon j'y ferai même pas de vidéo, quoi. J'y ferai même pas de vidéo. Je l'aime beaucoup malgré le fait que je joue vraiment très très mal, quoi. Alors je suis vraiment un gros sac à ce jeu. Mais je l'aime beaucoup. Après il y a les modes qui vont arriver. En mars il y aura un personnage qui sera. Alex, un des personnages DLC qui va arriver. Et là, ça gueule aussi hein, avec les personnages DLC, puisqu'ils seront débloquables avec les points de Fight Money. Vous voyez, en haut à droite, il y a un F, c'est pour Fight Money. Et on aura ça, quoi, on aura ça. Débloquable in-game, et non pas avec. Ce sera débloquable in-game, pas que avec de l'argent réel. Voilà. Moi, il y a le truc qui m'a fait le plus marrer. Oui, il y aura aussi les défis qui vont arriver en mars. J'attends beaucoup les défis puisque c'est un truc qui est assez utile pour l'entraînement IMO. Moi il y a un truc qui m'a fait marrer parmi toute la shitstorm qu'il y a eu autour de la release du jeu. Sans déconner, réfléchissez deux secondes. Quand Street Fighter 4 est sorti, il y a un mode de jeu que les gens n'avaient particulièrement rien à branler. C'est le mode arcade. Et là bizarrement il n'y a pas de mode arcade, tout le monde veut un mode arcade. Je sais pas. Est-ce que les gens sont cons? Oui, c'est évident. C'est évident que les gens sont. Non, mais sans déconner. Alors, dans Street Fighter 4, encore un problème, il y avait un mode arcade. Tout le monde s'en foutait. Dans Street Fighter 5, il n'y a pas de mode arcade. Tout le monde gueule. C'est drôle, quoi. Voilà. Ensuite, donc, le jeu. Comme je l'ai dit, je l'adore. J'adore. Après, bon, il y a des trucs que j'aimerais un peu plus. J'aimerais bien. Il y a quelques personnages en plus. Hein, j'aimerais bien quelques personnages en plus. Par exemple, prendez-moi Tihook. Il manque certains personnages. À mon avis, ça va arriver. Puis, c'est des personnages qui vont arriver. L'OST. Oui, l'OST. En général, dans les jeux de fight, l'OST, c'est quelque chose de super secondaire. Mais j'ai vraiment trouvé l'OST de ce Street vraiment de qualité. Il y a j'ai envie de dire des putains de bonnes musiques dedans. Et c'est peut-être l'un des trucs qui m'a le plus surpris dans ce Street. C'est l'OST. Après bon, l'OST, comme j'ai dit, dans un jeu de fight, c'est super secondaire. Donc écoutez, moi je vais mettre en classement. Comme ça, alors je gagne en général un match sur 5. Je vais aussi regarder si le son est bon. Peut-être une connexion avec 4 et 5. On va regarder si le son est bon après ce premier match. Par contre, je couperai le temps d'attente, je le coupe. Comme ça, on n'a pas à attendre. Voilà. J'ai eu un match avant, que j'ai perdu évidemment, hein, ça fallait pas s'en douter. Sauf que j'ai oublié de lancer le record. Parce que je coupe et je relance le record à chaque fois, et là j'ai oublié. Voilà. Alors je suis tombé contre Zangief. Non, c'est pas encore le même mec qu'avant. Alors ce mec là, c'est contre lui que j'ai perdu avant. Je comprends pas, il a un gameplay super bizarre.
voilà. Du coup, moi, comme je joue super mal, je me demande comment il a eu 8 victoires, quoi, vu son gameplay, c'est pas bizarre. Alors, on va essayer de réfléchir. Ou alors, peut-être que sa technique, elle marche. Ce n'est pas un accès. Non, à mon avis, sa technique, elle marche. Non, ça marche, ok. Putain. Karine est tellement en désavantage qu'on guide. Je me demande si le mec. Mais non, putain! J'arrive pas à confirmer ça à 100%. À part ça, qu'il va super loin. Ok. Mais putain, tu sais, tu fais des trucs en pratique quasi consistant. Et là, Ah bon, y a quelques lags dans ce match. Regardez le GIF. Regardez le GIF. Un petit peu du Goku. Non, putain, mais non. Mais non, mais j'ai tellement... J'ai tellement porté sur le truc. Mais non. Mais non, non, et donc je vais rester super safe contre le mec. Et dès que j'ai je peux, je le... J'ai une idée, je vais... Non. Et testons les idées en mode pratique plutôt. J'aime pas ce type de fight parce qu'en fait... J'ai tellement l'impression d'être... Putain mais non! Non, 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 mais non, putain, avant j'ai fait du training man pour m'enchaîner sur un certain combo. J'étais complètement consistant avec, et là, pouf, ça sort pas la magie, quoi. Et ça, je suis pas du tout consistant avec, et je le sors. Là, ça. Il faut que j'arrête de montrer des exemples en plan fight. Je peux... Ah, parce qu'avant le mec m'a eu en rune perfect, j'ai absolument rien compris à son pattern. Et du coup il m'a eu en rune perfect. Cette fois il m'aura pas de perfect, du moins si je perds c'est pas grave. Putain, la longe qu'il a quoi. Non. Vraiment que je le fasse tomber parce que c'est... Sinon... Waouh, ce lag. Mais non, mais non. Mais non. Je sais pas, je me suis trompé. En fait, je voulais faire le crush... Enfin, le counter, là. Machin truc. Et... en fait, je me suis gros tout, je crois. Parce que je fais jamais le counter. Un truc qui s'attend pas. Ça, je voilà. Ça, je l'ai pas fait une seule fois, par une fois, et le mec s'est dit. Il va encore rester à attendre. Ok, non, en fait, son kiff était bizarre. Enfin, c'était un kiff bizarre. Parce que, avant, je suis tombé. Je suis tombé sur un bison. Super bizarre, quoi. Avec une quinzaine de victoires, et je me suis dit, bon, le mec va rage quitter. Il avait rage quitté. Là, c'était juste un gif bizarre qui était bizarre, quoi. Et ça a l'air d'être plutôt efficace. Donc on va attendre. Ok, cool. Bon, please. Pas encore le même gars, parce que... Des fois, quand il y a certaines heures, tu peux tomber 3-4 fois contre le même. Bon, moi, ça m'apprend à combattre Zangief. Ce qui est plutôt cool. Oh, oui, vous. Ah, les bruits de stick au fond, de fond. Je pense pas que vous entendez trop. Pour pas commentarier,
J'espère pas vous entendez trop parce que ça j'ai pas... je ne peux pas jouer au pad au versus fighting quoi. J'ai réessayé l'autre jour. Voir comment on laisse tomber le pad. Hein. C'est assez brutal. Je réfléchissais. Oui, mais maintenant, même quand je parle, je n'arrive pas à réfléchir à ce que je dis. Ah, je réfléchis vraiment pas assez quand je joue ça. Putain de défaut. Faut vraiment. Quoi? Mais non, j'ai encore confondu. Non, mais non. J'ai encore confondu avec la barre de vie du mec, tout ça, quand t'as vu les fragots, tout ça. Bon, par contre, là, j'ai le chat qui est en train de chercher toutes les miettes de croissant que j'ai mangé avant. Et c'est un peu gênant. Oh. Je suis un petit peu foiré. Je réfléchis, il faut pas que je réfléchisse ça. Putain, vous savez, j'ai en tête, et ça il faut plus que je le fasse. J'ai en tête, bon, je fais deux light punch, puis je sors la super. Sauf que quand je réfléchis, j'ai de la peine à faire ce truc. On va arrêter avec les light punch. Ah. Un tout petit peu. Ça c'était stupide. Je crois qu'on sert de plus de secours en fait. Il a l'air de... Ah, si. Mais non, pourquoi je montre un exemple en plombat? Ah oui, non mais c'est un entier en fait. Moi je suis stupide. Non mais je suis vraiment con. Hein. Je réfléchis trop. Et je réfléchis pas à la bonne chose au bon moment. Qu'est-ce qui fait que je réfléchis pas assez? Par contre, là j'ai le chat qui me trouble un peu. Ah. Oh oui, j'ai oublié qu'il y avait pas de type damage. Qu'est-ce qu'il fout? Non. Ah, mais c'est fini. J'ai testé un petit peu de rebaisser le fond du jeu dans cran. Et j'ai surtout approché le micro parce que je m'en étais pas rendu compte, mais il était à 10 km de moi. J'espère que ça ira mieux là. Je referai en test parce que parfois on n'entend pas très bien ce que je dis. Et j'ai foutu plein de miettes sur le clavier. Et merde. Miettes, c'est de la merde. Monte. Allez. Monte. Round 1. Fight. Allez, on tire bien tort. Ok, je crois que le mec ça... Oui, il y a un de mes putains de points faibles à ce jeu. Un de mes putains de points faibles à ce jeu, c'est les projections. J'ai une super peine à me défendre contre. Ouais. Non, mais non. Ah. Ok. Je suis dix fois trop gourmand. Sur ce que je veux faire. Par exemple là, j'aurais pas dû sauter. Attends. Là, oui, là, il avançait comme ça. Projection au vieux aussi. C'est vraiment chaud à gérer contre. Putain. C'est
vraiment chaud. Je sais pas comment le gérer lui. La plupart du temps, tu tombes que sur des Ryukan. Enfin, que sur des Ryukan. Et du coup, c'est assez, putain, assez chaud. Et ça, c'est déjà le balayage le plus oblivious de tous les temps. Je me le mange à chaque fois. Et puis voilà. Ok. J'avais monté un tout petit peu le micro pour voir. Si je baisse trop le son du jeu, enfin voilà quoi. Ça devient pas cool. Bon, on va se taper qui? On va se taper un Ryu ou un Ken pour. Pas pour changer, c'est bizarre. Normalement, j'ai toujours un Ryu ou un Ken de. Non mais c'est un miracle. C'est un miracle parce que normalement, je me tape quasiment toujours que des Ryu ou des Ken. Et n'importe qui joue peut le confirmer. Et surtout des Ken quoi. Les Flopshard Ken sont ultra fréquents. Du coup, bah là c'est plutôt cool. Du moins, je peux apprendre un petit peu à jouer contre d'autres personnages. Ce qui est plutôt bien. Il faut vraiment que je m'entraîne. Après le chaîne, après le. What? Light, medium. Oh putain, c'est moi bien. Non, là. Pas d'excuses, mais là il y a eu un lag. Oui, regardez son âge, parfait. Le délire c'est que y'a que lui qui. Y'a que moi qui doit se téléporter. Lui, il est normal hein. Serveur de qualité. Ça va pas être la joie de gagner là. Ça va vraiment pas être la joie de gagner. Ah si le mec c'est en DBZ like. Vraiment Capcom fixe ce problème. Il y a deux façons de déclencher ça. Soit les mecs sur PC qui abusent du alt-tab, ça cause ça du côté de la personne qui n'utilise pas le truc. Ou soit le mec qui a la connexion la plus pourrie des deux qui. En fait le mec qui a la connexion la plus pourrie des deux ne va pas laguer. Le serveur fait une sorte de truc à la con. Et du coup c'est pas cool. Je m'entraîne aussi sur les hits confirmes. Là j'étais sûr de rentrer en jeu, c'est pas possible. Ah oui non, cette espèce de petit lag. Enfin peut-être que le mec le voit de son côté, mais d'après les retours que j'ai eu, non il le voit pas. Régal. Merde, non. Putain, je crois pas. Bon. Réfléchissons. Ok, j'allais sauter. Je me suis rappelé au dernier moment que le mec il avait en Genocide Cutter. You win. Putain de lag. Bon, j'ai gagné, je peux pas me plaindre, mais putain de lag. Quand même. Allez. Alors, un Ryu ou un Ken? Je crois que je veux dire à chaque fois ça. Comme ça, on n'aura pas de Ryu ou de Ken. Ah non, mais on a déjà eu. Oh, mais c'est un miracle! Normalement, le plus que je vois, c'est des Ken. Je vois des tonnes de Ken. Et là, c'est juste un putain de miracle qu'on n'en a pas eu un seul. C'est un miracle. Un miracle. C'est tout. Bon, Laura. Laura, je sais pas. Comment tu la contre? Donc on va réfléchir. Parce que je suis pas doué tour en versus fighting. Euh,
Il y a un truc bizarre. Il y a un truc que peut-être que je sens bien. Ou pas. Ouah, mon confirme. Un, deux. Confirme. Voilà ce que je sentais venir. Non, parce que quand on voyait un mec qui a franchement joué autant mal que ça, bon, je peux parler, moi je joue mal, mais quand on voyait un mec qui joue autant mal que ça, avec 6 victoires, vous dites qu'il y a un problème. Et je le voyais venir. Ok. Ok, bon, un Ryu en Ken, quoi. Tant que c'est pas le même que la Laura d'avant, parce que ça servira à rendre le fight. Hein. Parce que le mec va rage quit. Oh merde. Ah non, c'est. Ah, mais j'ai de la peine quand on dit ça. Putain, les titres que vous voyez en bas à gauche ou en bas à droite sont complètement à chier, quoi. Putain. Et encore là, j'ai mis le meilleur trick que j'ai débloqué. Bon. Donc, quand le mec avance vers toi, faut pas que... Oh non, bah non, je vais pas me faire avoir par là. Le tacle oblivious. Tac, incoming. Putain, mais... Non, mais non. Ok, voilà. Ça a marché. Putain, je viens de remarquer un truc là dans ce stage. Regardez le moine. Putain, maintenant ça me trouble. Le moine derrière. Avant ils faisaient un truc bizarre. Merde, il faut pas que je regarde derrière. L'entière contre le sol, ça va pas. Non. Il était, c'était moins dur que le premier Vega qu'on s'est tapé. Enfin, bison Vega. You win. Ah, d'accord. Ils ont qu'à pas changer les noms en Amérique, quoi, merde. Déjà, je trouve que Vega, c'est 10 fois plus classe comme nom que bison. Putain, bison, quoi. Bison. Ok. Bien. Yeah. Alors, donc, sûrement en Ken, quoi. Sûrement en Ken. Fluff Shard Ken. New Age Fluff Shard Ken. Ah! Mais ça a l'air de marcher ma technique psychologie. Ça a l'air de marcher. C'est intéressant. Espérons que ça continue de marcher. Mais ça va juste marcher aujourd'hui, quoi. Round 1. Fight. Ça va juste marcher aujourd'hui. Bon. Ok, je crois que je commence à apprendre.
Non, je... Ah! Voilà. Le port de m'attaque, je l'ai. Comment ça, il cut là? Évidemment, ce truc est totalement pompé sur... sur Rugal. C'est moi, j'ai du téléport là. Bien joué, je commence à comprendre. Il va venir, il va dasher. Et il essaie de me drop. Mais là, tu dois tellement venir que tu tech trop vite que tu veux. Sauf que c'est mon putain de point faible, moi je vais me manger une dizaine. Ah non, le mec, pour plus, j'avais compris. Non, j'ai pas fait. Mais j'ai pas appuyé sur deux touches en même temps là. Mais non. Je suis sérieux. Les touches sont assez énormes pour pas. Pour pas appuyer sur deux en même temps. C'était stupide de le faire. Oh non, non. Sonic c'est égal à un petit peu niqué quoi. Non putain, deux diagonales de merde. Ah, ok, là j'aurais dû hein, rester en garde tout simplement. C'est pour ça que j'ai bourré le light kick en espérant, que ça passe. C'était une mauvaise idée. Non, Ok, pourquoi j'essaie de faire un truc de merde alors que je pouvais le tuer là? Pourquoi? Pourquoi? C'est bizarre parce que je gagne beaucoup plus que d'habitude. Normalement, je gagne vraiment un match sur 5. Quoi. Bon bah en canne. Jusqu'à quand cette technique va marcher? Allez, en canne. 1, 2, 3. Waouh, mais ça marche! Ça marche. Alors, est-ce que tous les cannes ont disparu? Après, j'ai rien contre affronter des cannes. Ce qui est chiant, c'est les Flowchart cannes, quoi. Tout le temps la même chose. Puis je me mange souvent contre eux parce que je suis assez impatient. Mais je me rends compte que de jouer un peu plus réfléchi, ça aide mieux. J'adore cette tenue pour Chun-Li. Moi, c'était un putain de DLC. Par contre, je sais pas du tout jouer contre elle. Je pensais qu'il allait lancer une boucle directe. On va y venir. Ah,
Chun-Li elle est plus à charge, pourquoi le mec était tout le temps en charge? Oh je sais pas. You win. Bon bah en canne. En canne. Non et si on n'aura pas un seul canne sur la petite session que je vais vous faire là, croyez-moi c'est un miracle. Et vraiment un miracle si on n'a pas un seul canne. Ce sera juste un putain de miracle. Miracle. Ça ne peut pas ne pas exister qu'il n'y ait pas un canne. Non non c'est pas possible. C'est pas possible là qu'il n'y ait pas de canne. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible qu'il n'y ait pas de canne. Non. Round one. C'est cool. Fight. Cool ça. C'est stupide ce que j'essaie de faire. J'essaie d'adapter un petit peu de technique parfois. Ouais. Sonic, non Sonic Boom Incoming. Waouh, mais en fait elle est super safe cette attaque qu'il a à Nash. C'était super safe. Donc en personnage je pense main Karine évidemment. Parce que si mon personnage favori dans Street Fighter Alpha 3 c'était mon personnage principal en fait Karine. Mais il y a Nekali qui m'intéresse gravement. D'ailleurs Nekali est totalement pompé sur David Joe au niveau de la moveliste. Stomp, Devour, tout ça. C'est David Joe version avec des restes quoi. Et il fait grave penser au Pillar Man de Jojo. Ok, je devrais peut-être me focus un peu. Plutôt que d'un... Là on a le gars. Je suis un... Ouf. Ok, c'était stupide. C'est stupide, mais là j'ai voulu tenter en pif et de toute façon je savais que j'étais un peu dead. Enfin, j'aurais peut-être pu rattraper avec un miracle. Mais non. Ok, là je suis mal. Alors, le premier round, ça a été parce que j'ai réfléchi et tout. Et là, j'ai commencé à bourrer, à faire n'importe quoi et j'ai fait du caca. Du coup, je peux pas commenter vraiment en même temps. Et du coup, j'ai fait du caca. Okay. Bon, moi, c'était pas en canne, ça c'est bien. Ah ben, ça va être en canne. Ça va être en canne. Ah ouais, encore en canne. Comme toujours en canne. En canne noire. Eh, en canne. Eh ouais. Eh ouais, en canne. Bordel, mais ça marche! Bon, ça en rime, mais... Ça marche, quoi. Ça marche. Ça marche complètement. C'est magnifique. Magnifique. Round 1. Fight! Merde. Appuie sur les touches pour finir tes combos aussi. Non, on peut pas enchaîner avec un en coup en l'air. Réfléchissons parce que le mec a pas l'air très dur. Ok, on va réfléchir un petit peu. On va essayer de moins faire le turd.
que attends. Mais non, non, j'ai tellement pas fait ça. Putain, les erreurs d'une pute. Ok. Ah. Pourquoi j'utilise pas ça en fait? Peut-être essayer de faire. Plutôt que d'essayer de faire des trucs. Parce que dès que j'ai en tête, n'importe quoi en tête, je veux vraiment le placer. Du coup, même à faire pendant un match. Mais en fait, je le place quoi. Et ça c'était stupide par exemple. Je pensais que j'aurais été un petit peu plus. Ok, Shoryuken à l'arrivée. Ah non. Il l'a pas fait. Non, ça c'était stupide. J'ai besoin de péter là. Bordel, ça. Ça me trouble. Le mec fait à chaque fois le même block string quand je m'approche. Hadouken. Même bloc. Non. Hadouken. En fait, il y a du soirée. You win. Et Hanken. Je vais le dire à chaque fois, comme ça, ça va adapter le truc. Ça, il y a une sorte de minfuck. Le jeu, une sorte de minfuck intégral. Dès que tu dis Ken, en fait, il random select pour qu'il tombe sur pas de Ken. Ou alors en fait, il y a le village des Ken, des gens qui jouent Ken, il y a une météorite qui s'est écrasée dessus en fait, et toutes les gens qui jouent Ken sont morts. Je pense que c'est peut-être ça aussi. Ouais. Je pense que le village des Ken players. Ouais, comme j'ai dit, j'ai rien contre les joueurs de Ken, mais putain, même les gens qui ont joué à ce jeu peuvent confirmer, des Ken, t'en as à la tonne. T'en as vraiment à la tonne. Oh là, il y a Ryu. Round 1. Fight! Putain, y'a du lag. Ah, c'est horrible! Ok, ça s'est calmé. Wouah! Pire lag ever là! Putain, mais le mec est en train de. Le mec, soit qu'il lag switch, ou bien soit qu'il donne du porn. Parce que le lag switch, ça existe toujours. Ouais. Ou alors là, c'est peut-être juste du lag tout court. Il faut absolument Capcom fixe à fond leur serveur. Et déjà, putain, si vous jouez à ce jeu, je vais vous donner un putain de conseil. Ne mettez surtout pas de Wi-Fi. Les Wi-Fi pour les versus fighting, c'est... Le Wi-Fi dans le versus... Enfin, utiliser un Wi-Fi dans un versus fighting, c'est comme de... C'est comme quand tu te fais draguer par une fille, tu te rends compte que c'est un mec, en fait. C'est vraiment pas cool. N'utilisez pas de wifi en versus fighting. Okay. C'est vraiment une putain d'erreur à ne pas faire. Okay. Le mec va... Il va Shoryuken, si je saute. Ah bah non, il va faire des Hadouken. Il va refaire la même erreur, et du coup... Ah bah non, il s'est dit, il va refaire le saut et... Hadouken.
Non, utilisez surtout pas de Wi-Fi si vous jouez à du versus fighting. Foutez-vous sur le câble. Parce que les Wi-Fi, c'est de la merde pour ce style de jeu. Bon, en canne. J'en ai un peu marre de le dire, mais si ça marche, je pense que je continuerai. Ah, en canne. Ça va être en canne, avec la tenue noire. Pour changer. Ouais, ouais. Eh ben putain, ça marche. Maintenant, on va se taper que des Ryu. On va se taper vraiment que des Ryu. Je vais essayer ça la prochaine fois, dire ah putain, encore en Ryu. Allez, on va essayer ça la prochaine fois. Essayons la prochaine fois. Round 1. Fight. Merde. Quand t'appuies sur deux touches en même temps pour faire les EX, appuie moins sur les bonnes touches. What? Putain, j'ai ce réflexe de merde parce que je fais pas le timing pour téléporter derrière. Et du coup, ben, je bourre un peu pour passer de dos et je reste dans. Comment ça? Ok, je me bourre complètement d'une pute. Bientôt être le temps d'arrêter là. Parce que quart de tour arrière, c'est pas. C'est pas quart de tour avant. Je me rends compte aussi que je fais pas assez de projection. Wow, je pensais pas passer derrière. Non, mais je suis vraiment un handicapé. Enfin, encore en Ryu, quoi. En Ryu blanc. En Ryu, quoi. Encore en Ryu. Et toujours encore et indéfiniment en Ryu. Encore et indéfiniment en Ryu blanc qui va lancer des Hadoukens en l'infini. En Ryu blanc. Ah ben. Ok. Ok. Par contre, les points de classement, je trouve qu'une fois que tu passes super bronze, mais tu les perds beaucoup trop. Tu perds beaucoup, beaucoup trop de points de classement. Tu perds autant que t'en gagnes, quoi. Et du coup, c'est super chaud à monter. Fight. Non.
Maintenant je crois que je commence à comprendre. Quand il se téléporte comme ça, c'est Shop Incoming. Et complètement incoming quoi. Là il y a 2-3 petits lags. Ça se ressent un petit peu. Ouais, il y a des coupures, ça soit. Ouais oui, alors. On va se téléporter là. Waouh. Putain, ça me gratte. Heureusement qu'il y a une touche protection. Ce réflexe qui me vient tellement de coffre, le Light Punch Ultra. Ah, je pensais qu'il en ferait deux, j'ai cette habitude de Street 4. You win. Blabla. Allez, bon, encore Henri ou Blanc. Si ça marche deux fois de suite, ça va vraiment marcher. Genre, Henri ou Blanc. Tout blanc ou noir, parfois il y en a en noir ou d'une autre couleur que j'ignore. Henri ou Blanc, quoi. Ah oh, putain, ça a marché! Regarde, ça a marché! C'est en Ken! Putain, c'est en Ken, quoi! J'ai l'impression que ma psychologie à deux balles, elle marche! C'est en Ken! Ken survivant, tout ça. Le doublage français. C'est en Ken. Fight! Putain, je me suis dit qu'il se casse des... Qu'il se casse de les genoux. C'est cool. Bordel. Ah ouais, il y a du lag téléporte. C'est pas une excuse là. Oui non mais complètement là, complètement. Complètement. Putain. Capcom, qui serveur de qualité. Ils ont servi à quoi vos bêta tests hein? Mais putain non, là c'était tellement pas possible. Ah non, quoique oui, non peut-être. Peut-être. Bon bah jouer ultra calme contre lui. Mais c'est pour moi qu'il n'y a pas ce putain de rollback qui apparaît pendant que je suis en train de chaîne. Je parle de jouer ultra patiemment mais c'est pas tant fort. Vraiment pas mon point fort. Mais putain! Là, ça s'est entendu au son qu'il y avait un souci. Quoi. Mais non, n'importe quoi! Bravo.
Non, non. Voilà, bon, j'aurais dû faire une autre attaque. Mais putain de lag. Enfin, putain de rollback, plutôt. Capcom, please. Allez, ça va être en Ken. Alors non, peut-être. Merde, j'ai envoyé le stick contre la table, ça fait un gros boom. Ah, peut-être que tous les Ken, en fait, sont déjà repopulés. Le village détruit des Ken, des gens qui jouent Ken, a été... Il y a eu un survivant, ils sont déjà reproduits. C'est une... non, peut-être pas. Peut-être pas. Mais non, mais c'est le mec qui est silver, putain, c'est quoi cette balance de rang, là? Déjà, c'est dur à monter en rang comme ça, bon. Au moins, quand tu te fais battre, t'apprends un peu du jeu, même. Mais voilà, quoi. Round 1. Fight! Ok, c'est en overhead. Mais putain, mais filez-moi des gens qui sont morts, quoi. Je vais rester bloqué bronze indéfiniment, j'ai l'impression. M'échapper de cette chope. Merde, là je crois qu'il a compris. Putain, mais j'ai tellement l'impression que je pourrais m'échapper si je saute, mais j'ai pas le réflexe de sauter. Oh bah encore un Ken. Encore un Ken pour changer. Tant que leur village ne soit pas remis en place. Ah oh ben merde, ça marche plus. Ok. C'est bon, le village des joueurs de Ken a ressuscité. Ça ne marche plus. Mais je veux dire, c'est vraiment un miracle qu'on a eu que deux Ken. C'est un miracle. Là, leur village est revenu en vie, quoi. La météorite aura dû s'écraser sur leur pays. Le pays des joueurs de Ken. Et voilà, allez, en Ken. Merde, je pensais qu'il allait sur Ryu. Vraiment que je m'entraîne à Light Punch, et à faire ça, quoi. Soit que je fais le mouvement trop rapidement, l'input, ou soit que je la fais trop lentement. Passer en timing, assez bizarre pour enchaîner ce truc avec Karine. Sérieux? Stop. Mais non, j'aurais tellement... Le mec avait pas fait ça une fois, je me dis bon, il va tenter une chope dans le vide ou autre. Du coup, j'ai fait le médium kick, c'était pas une bonne idée. Fight.
Là je m'attendais à une chape par exemple. Je m'attendais pas à une chape là. Non! Mais non, c'est tellement pas rentré, j'ai fait le Reka, il est tellement pas rentré. Mais tellement pas. Pourquoi? Oh puis merde. Merde. C'est pas cool avant. Non mais sans déconner, les points que tu perds quand t'es en super bronze, c'est juste abusé, tu. Voilà. Round 1. Fight. Ok, bon. Lâche complètement ta garde. Ça marche aussi très bien. J'ai pas fait exprès. Putain, j'ai mon stick qui est en train de se parer. Je voulais sauter. Je voulais faire de light et puis sauter pour que le mec croyait que j'allais continuer de bourrer. Et en fait, bah, j'ai. Voilà quoi, j'ai continué de bourrer parce que je suis débile. Je voulais en faire deux. Ah, les Rashkitter. Ouais. Quelle bande de putains d'incompétents. Allez, bon, bah, je vais pas dire quel personnage là, c'est pour ne pas. Bah, merde, là, j'y ai pensé. Ah, peut-être que maintenant l'astuce ne marche plus. Je pense qu'on va aussi bientôt s'arrêter. Parce que je compte peut-être faire quelques autres vidéos. Dépend si les gens veulent ou non. Ah, putain, Nikali. J'aimerais bien en voir plus parce que sa musique, elle est pétée quoi. C'est une des meilleures musiques du jeu et tout simplement l'une des meilleures musiques de la série. Elle est complètement pétée sa musique. Sauf que lui, tu le vois tellement rarement. Tellement rarement. Bon, c'est un truc que j'aimerais faire, c'est pour customiser l'OST du jeu grâce à un mode ou autre. Faut que je me renseigne. Je sais qu'il y a d'autres modes qui commencent déjà à être sortis. Et j'aimerais, franchement, j'en ai marre d'entendre certaines musiques. Customiser un peu comme je veux par rapport au personnage. À part si c'est banni par Capcom pour le moment.
ce type de modification. J'en fous de la musique de Nekali sur, sur Ken et la musique de Rashid sur Ryu, quoi. Ce serait génial. Vraiment génial. Nekali, c'est un personnage que je pense apprendre à jouer. Il a l'air vachement intéressant, mais super chaud à apprendre, parce qu'apparemment il est vachement dépendant de l'endroit où il se trouve. Là je fais traîner uniquement que vous ayez l'OST quoi. J'adore vraiment la musique de ce perso. You win. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo. Comme ça, vous pourrez la voir aujourd'hui. On va s'arrêter là. J'en referai d'autres. Soit en ranking, ou soit avec des gens, tout ça. Je vous montre... Ouais. On va s'arrêter là. Je pense. Allez, bonne soirée.